Thomas Joie, je suis en charge en fait, du marketing de l'innovation au sein de Nexity. Donc, pour Nexity, ce hackathon venait à un moment où on se pose des questions, notamment sur le Web3. Donc la thématique était assez large, on l'a voulu justement pas non plus très fermée pour justement ouvrir l'ensemble des possibilités, mais vraiment se baser sur l'opportunité du Web3. Comment est-ce que j'arrive à nouer une relation sur le long terme avec nos prospects avant qu'ils ne deviennent clients? Et comment j'utilise le Metaverse pour en faire une vraie opportunité business pour Nexity. Alors c'est important d'avoir des idées, tout le monde en a, les étudiants encore plus parce qu'ils sont vraiment le nez vraiment dans l'actualité et dans les nouveautés et ils sont à la pointe en fait dans l'innovation, donc c'est très intéressant d'avoir leur point de vue. ISAR Academy, c'est quand même une structure renommée sur le type innovation et organisation d'événements autour de sujets innovants comme le Metaverse. Donc c'était plutôt normal pour Nexity de réfléchir d'une collaboration avec cet acteur.